Déjà un an d'existence pour l'hôpital général de Ngoyo, situé au sud-est de Pointe-Noire. Et pour marquer positivement cet événement anniversaire, une journée hospitalière a été organisée sous l'égide du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. L'occasion pour les sachants en matière de santé du Congo-Brazzaville de donner un coup de rétroviseur sur les activités réalisées au titre de l'année 2022 par cette structure hospitalière. Cela s'est passé à travers le développement de plusieurs thématiques ayant conduit à dégager un bilan en tous les cas flatteur, en dépit bien sûr des difficultés rencontrées sur le terrain de la pratique. Cela c'est fait, cela c'est bien fait. Je pense que l'autorité s'en est satisfaite avec les encouragements qu'il nous a donnés et les conseils qu'il nous a donnés également pour que nous puissions faire mieux l'année prochaine, mais en nous disant que les résultats obtenus étaient encourageants. Et donc pour l'occasion, nous remercions le chef de l'État, le président de la République, le président de l'administration Nguesso, de nous avoir donné un outil pour que nous puissions soigner les Congolais à moins de temps et avec des équipements de pointe. D'ailleurs, à juste titre que le numéro 1 de la santé au Congo a reconnu le bien fondé de cette journée hospitalière, tout en invitant le personnel de cet hôpital de conjuguer plus d'efforts au cours de cette année 2023, à l'effet de faire rayonner davantage l'hôpital général de Ngoyo, considéré aujourd'hui comme une grande référence en matière d'offre. Notre mission est d'offrir les soins de qualité à nos populations. Il nous appartient donc de nous mobiliser, de prendre conscience de notre responsabilité, afin que nous soyons à la hauteur des attentes de nos populations. J'invite donc les agents de cet hôpital, qui est un outil de travail très important, une infrastructure de haut de gamme, à s'investir pour que les bénéficiaires, c'est-à-dire les populations de Ngoyo, de Pointe-Noire, leur jettent leurs félicitations. Parce que j'ai l'habitude de dire que le premier indicateur des soins, c'est l'appréciation du bénéficiaire. En se projetant dans l'optique d'un hôpital de demain, cette structure sanitaire, et qui fait désormais la fierté du pays, entend améliorer sa gestion autour de trois maîtres mots. Entrée, séjour et sortie, gage d'une meilleure prise en charge des malades.